Jamais de toute ma vie, je n'ai eu aussi peur qu'à cet instant. Félicitations au papa, c'est un garçon. J'ai longtemps cru qu'un jour je trouverais la bonne. Mais depuis que tu es là, je ne suis plus le même homme. Pour toi, j'ai emménagé dans cette banlieue chic sans âme. Viens boire un café avec nous. Pour toi, j'ai épousé un monstre. Ta mère, Love. Comment ça pourrait mal tourner? L'un comme l'autre, on a commis des horreurs. J'ai voulu venir vivre ici, histoire de repartir à zéro. Nous sommes juste les voisins d'à côté, normaux et sympas. On est une équipe. La meilleure équipe. Non, non, c'est mal. Et maintenant, il y a toi. Cette fois, ce sera différent. Non, il se passe quelque chose. T'as la tête ailleurs. Tout va bien. Je te trouve encore plus pâle que d'habitude. Il faudrait qu'on suive une thérapie de couple. C'est arrivé plus tôt que prévu. Le mariage s'accommode mal des secrets. La vie privée n'existe pas ici, à Madrelinda. Allez, dis-moi qu'elle t'obsède! Pourquoi tu m'aimes plus maintenant? Cet enfoiré prépare un sale coup, je le sens. Pourquoi tout le monde pense que je suis impulsive? Je ne commettrai pas un meurtre pour toi! Aucun de vous deux ne va tuer son conjoint. Vous êtes beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas des meurtriers. Je n'ai jamais pris le temps de me demander ce qui se passe après, une fois que le garçon a séduit la fille. On est une équipe, d'accord? Jusqu'à ce que la mort nous sépare.